Fitness Boss, Kibiki Fitness Boy 2.0, hein, Kibiki Shippuden. On va aller voir à Châtelet pour acheter un cadeau pour Malek parce que demain c'est son anniversaire. Je pense que j'en profiterai pour aller tester le restaurant Jibra TV. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, qu'est-ce que j'ai là au front? Je me suis tapé avec la barre au front. Je suis très très con, j'ai mis trop lourd. Ok, ouais, Dragon Ball Fighter c'est de la bombe, j'arrête pas d'y jouer en ce moment. Terminé ma routine legs, comme d'habitude, follow moi sur Snapchat et Insta, je mets souvent mes entraînements, etc. Si t'as envie de savoir un petit peu ce que je fais. Ça marche plus. C'est celui que t'as dans les mains. C'est exactement celui que j'ai dans ma main, celui qui coûte très cher. Ah ben c'est inutile, alors c'est useless la publicité. Voilà, ça sert à rien vu que je l'ai déjà acheté. Après c'est vrai que je peux m'en acheter d'autres avec l'argent des abonnés, mais on le fait pas. Ah t'es trop. De toute façon je vais le couper, faut le savoir. Ouais. Je n'ai jamais en voiture à Châtelet, ça sert à rien. Merci. J'ai failli mourir. Un peu comme tous les jours. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment failli mourir. Et je te jure, il n'y a jamais rien qui marche dans ma vie. Même quand je me connecte dans des comptes. Tout le temps je me rate. J'espère que son restaurant il est bon. Ouais, j'espère aussi que son restaurant il est bon. 4 balles de coca, une réaction. Notre banlieue du talent. Vous abusez un petit peu quand même. Quand on veut se poser, boire un petit café, c'est plutôt cher. Non, bah la crêperie là-bas là. La crêperie Saint-Honoré. Allez, c'est parti. Quelle journée de merde. Ce sera mieux. Attends, moi aussi je vais faire le café. J'ai rien à dire, je déteste le café. Eh, ça sert à quoi ça? Tuto Kibiki, comment survivre à Paris? Oh, je vais pas voir ça, je vais voir ça direct. Bon, allez, direction Ibra. Hein. Je vois de la queue, hein. Ah, si. Ah, si. Et il y a beaucoup de queue, ça, mère. Hein. Sur la vie d'Oami, Ibras. Y'a yeah, grave du mal. Mais moi, vu comment je suis pas trop. Godzilla, oh my, sexy tout en machine. J'emmène ta biche dans les airs car j'ai stamina. J'm'arrêterai pas 30 secondes car j'ai stamina. C'est même mon star, c'est incroyable. C'est ça, hein. T'as tout à place, c'est normal, hein. Ouais, ça va, tranquille, ça va quoi, tranquille. Là on fait dégustation là. Bon, je vais goûter les frites. J'ai pris la plus grosse frite, je suis désolé. Là on prend la première, c'est ensemble. C'est comment là? C'est comment, non? Ça va que c'est pris ou pas? J'ai l'air dégueulasse un peu. Ah, j'avoue, c'est bien mieux. Hein. Venez pas manger ici. Magno, c'est mieux. Magno, ça va mieux. C'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Franchement, dégueulasse, jetez le. Ne mangez pas, vous allez voir. Vas-y, c'est bon, vous jetez. Ouais, non, c'est mort. C'est déjà cassé. Vous avez des carrés du code et tout. Bah ouais. Non, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Normalement, c'est bon. Je m'en évite à vous faire déjà un point. Ouais, c'est pas pareil. Bien vu, bro. Bien vu. Merci. Merci, comme ça. C'est parti. C'est vraiment bon. Et sans lui sucer la bite, c'est vraiment bon. C'est lourd, hein. C'est quelque chose, hein. Sur ma vie, c'est quelque chose, hein. En fait, j'avoue, la viande. Par exemple, tu vois, sweet and shake, j'avais essayé. C'est grave bon, sweet and shake. Mais la viande ici, elle est meilleure. La viande, elle est vraiment meilleure. Les gars, c'est du lourd, hein. Ouais les gars, j'espère en tout cas cette petite dégustation vous a plu, Carré Soli. Au restaurant d'Ibra TV, c'est un truc de ouf comment il y a du monde. Clairement, Ibra, il est rentré dans le marché, il a tout niqué. Le McDo, il n'y avait personne, absolument tous les restaurants à côté, il n'y avait personne. Donc franchement, niveau communication, etc., il est très très fort. Et je pense que pour toute personne, son projet est très très inspirant. Mais c'est très très bon, c'est pas si cher que ça. En gros c'est le prix d'un menu McDo. Si tu prends le menu étudiant avec un classique t'en as pour 10€. Donc franchement il n'y a pas de souci. Il y avait Ibra comme tu as pu le voir. Il était grave fatigué, tu vois, c'est normal. Alors il refuse jamais, il refuse à personne de faire une photo. Franchement c'est un bon.
Franchement carré là-dessus. Il est grave stock. Ah non mais je te comprends. Je comprends pourquoi From Human to God il était choqué. Choqué de la brutalité. Choqué de la brutalité. Moi je suis un go muscu, je me suis posé des questions. Ah ouais non, dinguerie. Il est grand, il est stock, c'est un putain d'alpha. Dinguerie. Il est arrivé dans le game, il a tout niqué. C'est grave inspirant, c'est carré. Franchement c'est super lourd, donc je vous conseille de faire un tour si vous avez le temps, si vous passez sur Châtelet. On va dire le seul truc qui est pas extraordinaire, c'est bon bah les potatoes elles sont bonnes, sans plus. Mais les burgers ils ont vraiment quelque chose en plus, la viande ça fait vraiment la diff. Comparé à Burger Dream, parce qu'à la suite du vlog tu vois qu'on va aller à Burger Dream. Burger Dream c'est un peu plus cher. Et c'est pas si bon, c'est pas meilleur en fait. En termes de goût c'est vraiment pas meilleur Burger Dream. Faut savoir que pour moi, Burger Dream, c'est quand même un fast-food que j'aime beaucoup. Je suis parti aussi à Sweet and Shake, c'était très bon, mais c'est pour moi aussi en dessous. Enfin, en termes de qualité-prix, je pense que Ibra, Black and White, clairement, il est au-dessus. Et c'est, voilà, je vous dis clairement parce que moi, c'est mon avis. Et s'il y a des gens dans les commentaires qui sont allés à son restaurant, n'hésitez surtout pas à me le dire. Carré, solide. Ouais les boys, direction la salle pour la séance push. Je vais rejoindre Chris. C'était juste pour vous dire, ouais, c'est quoi ce pansement? Eh, hey, je vous jure, j'enlève pas le pansement tant que ça n'a pas cicatrisé. Eh, hey, c'est devenu hardcore cette merde. Ah, et aussi, j'avais oublié de vous dire, le restaurant avec moi, il est bien halal. Voilà, donc tout le monde peut aller gras, il n'y a pas de souci. Donc, on a bien demandé. Donc, vas-y, on se retrouve à la salle. Carré. If money ain't the motive, then what is? All these young bitches talking when they all got kids. You should never tell a star that he should stop this. I don't really care, but you're being obnoxious. Bitch, please hold a motherfucking slander. I'm about to come in with bars like it's MC Hammer. And don't tell me I need to chill out. I'm a genie motherfucker and I killed out. I be granting my wishes, I be feeding my soul with some wild information to spit out of control. This a new conversation and it's obvious though. The game breeds a lot of phonies, this will kill rock and roll. There's no stopping it though, I'm just talking to yo. Now I'm flossing some mo, while I'm lost in my soul. And I'm lost in my passion, with that ignorant fashion. You just missing the action, and I'm killing you rapping. Let me take it back a few steps, repeat the beginning. If money ain't the motive, then why are you winning? 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 To a loser, like a giver to a user, a fridge to a cooler, and a slave to a ruler. Doctor, far away, we need you to help save the others. We need you desperately. I'm here to save the others from all the weak shit they be playing. They just clogging gutters. Polo gang, polo gang, polo gang that. I'ma show you what it takes to make a hit track. Just repeat it back. Polo gang, polo gang, polo gang facts. Mr. Lauren Finna, all me stacks. Too incredible, flow style is flexible. Counting money and vegetables, your name is forgettable. My homies is credible, please blow me and let it go. The new mag centerfold, really about to set the tone. Hop, cadeau de Malek. In the bag. Savoir que moi, mon anniversaire l'année dernière, il m'avait pris aussi, ou il y a deux ans, je sais plus, il m'avait pris aussi un polo Lacoste, tu vois, c'est le polo de l'amitié, le Genki polo. Voilà, je veux voir des bons anniversaires, Valek, dans les commentaires et sur Snap. Allez, carré solide. Tiens, garde la clé. Faites percer la squad. Faut savoir que les femmes ne savent pas conduire, faut le savoir. C'est ce bâtard. Avec son short là. Combien la pipe? C'est cher pour toi. Impossible. Elles sont sexy. Ah, ouais, je trouve aussi. Tu t'épiles toi. Il s'épile lui. Moi je pense qu'il s'épile. Moi aussi je pense qu'il s'épile. Hein. Ah, je m'épile que là par contre. Hein. Pas là. Tu as goûté. Ah mais après ça c'est pépaille. Hein. T'as froid, ça joue. Tu veux une couverture? Ah ouais, 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 t'as compris. Ouais, madame elle m'a dit. Ouais. Passe. Mais je t'ai branlé dedans. Ouais, c'est pas. C'est la famille gros. Joyeux anniversaire! T'es bon! T'es bon le volet! Et tous les ans, c'est la même image! Tiens, monsieur! Merci bien! Voilà, ça. On dira pas ça coûte combien, mais c'est. On sait que les délivrances! Ouais, on sait, voilà quoi! Ouais, si je débite pour avoir d'argent, aïe! Hey, y'a ton petit ref, il me fait des doigts!
Les deux, je m'en bats les couilles, je suis aux deux. Couleur, il a été en totale cohérence. Assez original. En plus, t'es sûr, Taï 5, c'est bon? Je vais voir. J'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve mercredi pour un nouveau vlog, comme d'habitude, carré et solide. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Comme d'hab, suivez-moi sur Snapchat pour les programmes de coaching, etc. Ça se passe aussi sur Snapchat. Snapchat, Insta, je réponds à tout le monde. N'hésite pas à mettre des commentaires et des pouces bleus, des posts bleus, la remettre de posts bleus. J'espère que vous êtes là, carré solide. Et on termine avec une Jojo pose avec le gâteau de ma mère.